Le temps ne semble pas avoir d'emprise sur lui. À 93 ans, Hugo Frey semble toujours très en forme. Présent sur le plateau de Télématin ce mercredi 28 juin, l'interprète de Santiano a sans surprise été interrogé sur sa santé. Vous n'avez pas envie d'en parler, vous m'avez dit, mais vous avez quand même eu des petits pépins de santé pas grave, a rappelé Julia Vignali, avant de se faire interrompre par le chanteur nonagénaire. Ce n'était pas un pépin de santé, c'était un accident. J'ai fait une chute, à la suite d'une piqûre d'iode, a tenu à préciser l'artiste. Est-ce que ça va mieux maintenant? S'est interrogée celle qui s'apprête à quitter l'émission matinale de France 2. Mais je vais très bien, a assuré Hugo Frey, un brin agacé d'être toujours ramené à son état de santé. En mars dernier, dans les colonnes du Parisien, l'intéressé était déjà revenu sur sa chute. Ça aurait pu être très grave, j'ai failli faire le grand voyage. J'ai dévalé 15 marches la tête la première, a raconté le chanteur de 93 ans, qui pense avoir fait une mauvaise réaction après une IRM des artères et une piqûre d'iode. J'ai passé une journée parfaite après l'examen, mais alors que je montais dans ma chambre au premier étage, à la dernière marche, j'ai basculé en arrière. J'ai eu un voile complètement noir, je suis tombé la tête la première, a déclaré Hugo Frey, conscient qu'il aurait pu y rester. Supérieur à Claude Lelouch à 85 ans, Macha Merrill à 74 ans, François Hollande à 67 ans. Ces couples se sont mariés sur le tard d'Hugo Frey, à 93 ans, il va bientôt se remarier. Marié pendant plus de 70 ans à Hélène Faure, Hugo Frey va prochainement épouser sa compagne de longue date, Muriel Mégevin. Le chanteur de 93 ans et sa partenaire de 45 ans, sa cadette, ont annoncé l'heureuse nouvelle, lors d'une interview accordée à l'émission La Place du Village, le 20 juin dernier. On n'a pas dit la date. On ne sait pas encore exactement quand, mais ça sera, cette année, à la fin de l'été, ont indiqué les deux tourtereaux. Preuve que l'amour n'a pas d'âge. Crédit photo, capture d'écran France 2.